Waouh. C'est une gêne. C'est une gêne. Ça pue la pisse. Ok, let's go. Bon. Moi je suis bien. On peut enlever les vidéos un peu, mec. On va s'éloigner des vitres, les gars. On s'éloigne des vitres. On s'éloigne des vitres. Parce qu'on a les lumières. Petite urbex attentive. J'ai des soins de les étoiles d'araignée, par contre, c'est un truc de ouf. Petite pause pour vous prévenir que ce que nous avons fait n'est pas du tout légal et il ne faut pas le reproduire. On n'est pas assuré de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer et nous ne savons pas ce qui peut se produire par la suite de ce que nous avons fait. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, il va falloir que je vous fasse une petite explication parce que ça s'est mal tourné et vraiment mal tourné. J'étais avec les youtubeurs du Brigeau, mais bon, la chaîne qui a été renommée Dog. On a eu une mauvaise visite, voilà. Je vais pas vous spoil dès le début, mais voilà, c'était pour vous dire qu'on a eu une mauvaise visite et que ça s'est mal terminé. Mais bien terminé finalement, vous allez voir. Donc petit avertissement pour vous dire, ne refaites pas ça chez vous, ou faites-le avec l'accord des personnes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ouf, on a les étoiles d'araignée, c'est magnifique parce qu'on voit l'architecture, on voit les trucs en fait. Par contre, il y a des jeunes qui sont rentrés qui ont tout cassé, c'est ouais, ça qui est dommage. Il y en a qui sont rentrés, ça pue la pisse un peu. Il fait sa vidéo en même temps. Bon, ça n'a pas l'air d'être une maison super grande. Il y a des escaliers, on peut monter et descendre. Ok, ça va être une putain de vidéo. On pourra faire le montage, on peut faire que des vidéos extérieures, ça veut dire qu'on fera sûrement des vlogs et des explorations. Et en plus de ça, on fera aussi des vidéos où tu fais des podcasts. Voilà, comme Mad Podcast. C'est ça, ça l'a mangé. Il faut faire gaffe parce qu'il y en a peut-être qui est juste là. On peut dire que ça donne sur la rue. Ça donne sur la rue si vous voulez voir. Bon, ça pue un peu la pisse. Il y a des araignées, il y a des putains. Ah, il y a une petite araignée là. Il y a des araignées dedans. Bon, allez, let's go. J'ai mis des gants au cas où. Ça pue la pisse de fou. Tout seul d'abord. Il y a un garage. Ça, ça pue. Donc, ça, c'est la salle à manger. Ça, c'est la salle à manger. Là, on a un premier couloir. Faites gaffe aux araignées, tout ça. Ah, ouais, c'est le grenier, ça, c'est flippant. Première chambre. Non, cuisine. Il va falloir qu'on recherche des trucs. Faites gaffe, on va entendre dans une pièce, les mecs. Cachez vos caméras, parce que là, on peut nous voir. Pas vos caméras, vos lumières. Cache ta lumière, cache ta lumière. Petite cuisine. Voilà. Le bâtiment est très cool. Ça, c'est là. Là, c'est vraiment marché sur mon... On essaye de le réouvrir ou pas? C'est ouvert, en plus. T'es sérieux? Mec, on a vu tout le temps pour rien. T'es sérieux, gros? Au moins, on avait pas de sortie. C'est clair. Bah si, au cas où il y a quelqu'un qui peut en est dedans, il rentre dedans, le mec on est dans la merde. Oh là la toile d'araignée, sa mère. Oh mon dieu, que je regardais. Oh t'as vu la grosse araignée. Là t'as une porte, t'as une porte. T'as une porte à ta droite. Oh t'as le téléphone. Non, c'est pas une porte. Mais tu casses, c'est vide derrière. Ah c'est vide. Quoi? Regardez là-bas. J'ai cru qu'il était vide. Non, c'est du vide derrière. On va voir quand il y a ou pas. Enfin tout ça. Tu veux y aller d'abord? On réserve ça pour la femme, il fait plus chaud pas. Vas-y Joe, passe devant. Je te vois, c'était un peu flippant quand même. On dirait un petit peu ta naïf, ouais. Le style de maison. Tu voulais faire que ça, là où je suis allé. Ouais, alors ça c'est une chambre. Oh c'est la chambre d'un enfant, c'est trop creepy. Allez, attends, c'est la chambre d'un gosse ça. Ouais, pourquoi c'est un placard? Non, on va pas toucher. Si, 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 j'avais tort. C'est pour moi, c'est normal, c'est. Oula, les araignées. Oh, voilà les araignées, mon gars, par contre. Attends, mais c'est quoi ce fâché? Franchement, viens, on a des titis. Ouais, mais non, il faut tout refaire. Ouais, regarde, c'est dommage. Waouh. Elle est pas dégueu. Ah, ouais, c'était une belle salle de bain. Elle a fait. Ta maison elle date pas de longtemps. Hein. Je peux te poser une question. Ouais. Regarde. C'est quoi qui a passé quoi? Ça doit être des feuilles qui sont rentrées ou ah des. Non, c'est pas pris. Des chenilles. Ça daille. Fallait les charger les lumières. Il y a une porte. T'es prêt? T'es prêt? Ouais, t'es prêt. Ouah, ça doit refermer de ouf. Oh mon dieu. Ouais, tu pousses.
Il fait chaud ici en fait. Ah, c'est un meuble. Il y a la fin. C'est le renfermé, ça sent le renfermé. Sans ça, j'ai chaud ou pas? Là, ça doit être le balcon. Non, je ne sens pas trop avec les gants. Ça doit être le balcon. Pardon, excuse-moi. En fait, on... Wow, c'est quoi cette pièce? Il peut faire un salon en fait ici, je crois. Ah ouais, non, c'était une chambre. Tu fais chicha. Mec, en vrai, tu fais chicha ici? Ouais, tiens, essaye si les prises marchent. Attends, attends, j'ai rien. T'es pas sûr? On est pas sûr, on a pas essayé. Ouah, wow, mais oh, c'est là la baraque par contre. Ah ouais, c'est la maison du Seigneur. Ah bah la chambre est décédée. Wouah. Ça fait la salle de bain. On s'en va ici, mais c'est une maison. Oh, il y a une petite salle de bain. Ah oui. Ah, c'est creepy, ça prend combien de temps? C'est bizarre, what the fuck. C'est quoi? Non, c'est une salle de bain. Mais il y a quoi de chute? Là, tu veux? Ça, c'est un peu normal, il est sérieux. C'est fermé. Mais je crois que c'est le placard qui a de l'autre côté. Non, je pense pas. Mais c'est bizarre, ça met où là? Le placard, j'aime pas du tout ce genre de maison. Ça fait trop peur. Même si c'est bon, mais tout, ça fait trop peur. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui passe devant, hein, je suis un HP. Hein. Vous voulez pas tout quelque chose? Ah, c'est tout le truc, là. C'est toi qui as tapé contre? Non. Si, c'est toi. Non, mais j'ai rendu ça. Si, c'est lui qui a tapé contre. Ça c'est dur. Descends, descends, descends. Allez, c'est glauque de ouf. Allez, go, on y va. On est tous les trois. Fais gaffe à la porte, faut pas qu'elle se referme derrière nous. Non, mais je fais comment? Après, je la défonce, la porte. Elle est cool. Allez, on descend vite. Fais gaffe, il y a une grosse toile d'araignée. Où ça? C'est bon, tu baisses la tête. Mec, ça pue de ouf. Oh, on dirait des catacombes, what the fuck. Mec, ça pue. Ah, mais c'est bon, c'est un truc. Wow. C'est quoi? What the fuck? Et ça pue. Regarde à ta gauche. Normal, ça pue. Venez voir. C'est les toilettes? Ah non. Oh! Oh! Mais bon, il vient juste de décéder maintenant. C'est quoi? Machin. Si vous n'avez pas trop capté ce qu'on a trouvé, c'était un petit chat qui était vraiment en piteux état. Ça faisait quelques jours à peu près que je dirais qu'il était à cet endroit-là décédé, quoi. C'était vraiment dégueulasse, ça puait vraiment énormément fort. C'était pas intenable, mais c'était en décomposition. Le chat était en décomposition. On sait pas ce qui a fait ça, mais le chat était vraiment en piteux état. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, on va faire un débrief avec mes amis et c'était un peu hard, vous allez voir. Là les araignées mutantes ici. C'est pas le bon. Je crois qu'il y a des SDF qui dormaient là, regarde, t'as des cartons là-bas partout. C'est plus bon. Ah, tu vas te faire. Par contre, je remets le tombé s'il vous plaît, je vais faire. Les canalisations sont défoncées. Comme vous l'aurez capté, là, on avait entendu quelque chose et ça a mal tourné. C'est là que ça a mal tourné, vraiment. Il y avait une femme à l'extérieur qui discutait avec des personnes. On ne savait pas qui c'était. On ne savait pas du tout qui c'était. Et il s'avère que c'était des personnes qui font respecter la loi, on va dire, entre guillemets. Pour pas vous spoiler la fin. C'était des personnes qui sont censées faire respecter la loi. Et ben voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui nous a mis dans le pétrin, c'est qu'on savait pas qui c'était et on pensait que c'était des personnes qui parlaient comme ça à des personnes normales en fait. Donc on est resté dans la maison et on allait sortir. Et quand on allait sortir, et ben on a eu une petite surprise. Une surprise assez hard quand même, mais une petite surprise. Et c'était assez stressant, assez flippant. Imaginez-vous si les personnes étaient entrées dans la maison en même temps que nous y étions dans la cave ou à l'étage. Faut grave guider sans lumière par contre. Oui, mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur? Je sais pas, quelqu'un arrive. Allez, sortez. Bon, bon.